Ok. Un peu comme la sorcière du château rouge. Allez, on la vidéo. Ça commence comme ça. On parle un peu. Qu'on parle un peu. C'est pas toi qui as l'habitude de faire montage là. Non. Bon, les chouris, je vous présente. La mauve là est dans ton oesophage comme ça. Les chouris, je vous présente Aziz. C'est mon monteur, c'est celui qui fait mes montages depuis bientôt. Ça va être maintenant. Un mois. Depuis bientôt un mois, c'est lui qui fait mes montages. Quand je dis Aziz, c'est lui. Voilà, aujourd'hui, il est venu à Yopougon pour m'envoyer ma vidéo parce que sa connexion n'est pas bonne. Parle un peu fort. Donc, il ne pouvait pas envoyer ma vidéo. C'est toi qui fais le montage, tu sais que le son est important. Il faut parler fort. Ah, ouais, dis quoi? Mais justement, ah, le débit est bas. On t'écoute, hein? Il te dit quoi? Ah, donc tu l'as envie de me présenter. Ah, la chérie, coucou. J'ai oublié, tu n'es pas un habitué. C'est pas un habitué. Oui. Donc tu les salues, coucou tout le monde, en tout cas je sais que vous allez bien, moi c'est quoi, j'ai oublié ton nom? Intimité. C'est Intimité, je suis le nouveau monteur de Kevin, c'est comme ça, tu te présentes? C'est Intimité comment? C'est mon nom qui est Intimité, hein. Aziz. Intimité Aziz. Mais Intimité c'est ton nom de famille. Intimité c'est son nom. Vous voulez changer c'est comment? Nom. Il y a pour ta défense, laisse. Vas-y. Quand même. Et puis vas-y, faut pas ma défense. Olivia Pope. Oui. Pourquoi t'as dit c'est pas sérieux. Voilà. Bon, on va commencer la vidéo. Tu es prêt? Ouais. Ça te fait quoi de faire des montages aujourd'hui, de voir que quand tu vas faire le montage, toi-même tu seras dedans? Ça fait bizarre quand même, sérieux. Parce que genre, c'est moi qui ai l'habitude de modifier. Et puis me trouver devant la caméra comme ça, c'est bizarre. Et puis avec vous deux, Seigneur. Et c'est mon père. On est gentil. Oui, on est gentil. Ah. On ne ment pas. C'est vrai qu'on est dangereux, mais on ne ment pas. N'est-ce pas? Ah! Je t'aime. J'ai des rires. Coucou les chouris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Moi aussi, ça va super méga, archi parfaitement bien, comme vous le savez tous. Hein. Moi, ça va super bien. Voilà. Et toi? J'ai dit que ça allait. Ça va bien, tu dois te demander. Si, il va bien. Il a abusé. Ah, tu vas bien. J'ai bu un peu de martini. C'est ce qui fait que ça monte un peu. Sinon, ça va. Bon, les chouaris, j'ai eu une idée de vidéo là. Non, j'ai pas eu l'idée. J'ai vu ça sur la chaîne de Sandy Jules. En fait, chacun a écrit sur une feuille des choses qu'il a déjà fait dans sa vie et dont il n'est pas trop fier, et on a mis dans le bol. Donc on va voir qui a écrit quoi et puis on va en discuter. C'est clair? Il n'y a pas de problème. En tout cas, ils ont compris. Je pense que vous avez compris le concept. Moi, les abonnés sont intelligents. Oui, je sais. Je sais pas toi ta qualité d'abonné, mais pour moi, ils sont intelligents. C'est ce que je vais les signifier tout à l'heure. Ils sont à mon image. Bon. Première feuille. Ok. C'est quoi? J'ai déjà chié sur moi en public. Ah, c'est faux, c'est bizarre. C'est pas. C'est pas moi. C'est Bernice. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais chié sur moi en public. Non, ça, c'est faux. Non, pas genre. Genre, ça t'a surpris? Non, mais moi, ça m'a pas encore surpris comme ça. Avant que Dieu qu'on préserve, mais ça m'a pas encore surpris. Tu es sûr? Non, ça peut être toi. De toute façon, tu es moi. Clair. C'est impossible. Comment ça va faire l'éclair? C'est comme ça. C'est quel argument ça? Est-ce que tu sais que les gens clairs, souvent ils sont fragiles? Non, tu non, peux non, pouvoir non, lâcher pas, et sans le vouloir, ça sort. Oui, voilà. Faut pas abuser. Peut-être que c'est toi. Toi, tu ressens beaucoup à ça. Bravo. C'est moi. Et. En fait, je vous explique. C'était à Paris. Et à Paris? Oui. Je pensais que c'était ici, à Abidjan. Non, non, c'était à Paris. C'était en 2019. C'était dans le Uber et en fait j'avais mal au ventre, j'étais allé boire, je sais pas si c'est le trop plein d'alcool, mais j'avais vraiment mal au ventre et j'avais mangé KFC avant, j'avais vraiment mal au ventre et j'étais dans son taxi, j'étais déjà monté, on roule, il est 1h du matin, faut rouler, il roule doucement, j'ai dit monsieur, allez-y un peu vite. Il comprend pas. Et, il dit oui mais là je dois rouler 50 km. Je dis, monsieur, actuellement, là, il n'y a pas de policier. Il dit, oui, mais il y a des radars. Il dit, c'est pas galère. C'est qu'il y a des faits, là, c'est plus que les radars. C'était vers 1h du mat. À l'époque, j'habitais à Ivry-sur-Seine. Je dis, c'est qu'il y a des faits, là, c'est plus que les radars. On partait. C'est qu'il devait arriver. Dans sa voiture. C'est pas sorti dans sa voiture. Tu vois, quand ça sort un peu, mais ça sort pas beaucoup, là.
Et puis, une prévention. Ça, c'est une prévention pour te dire que ce qui vient là, ça sera pas perdu. C'est que tu as déposé. Ça, c'est quoi son comptable n'a jamais dit rien. Si, mais dans voiture. Même si c'est pas sorti. Mais est-ce que derrière là, c'est comme télécommande, est-ce qu'on choisit d'appuyer? Faut m'excuser, pardon. Un peu est sorti. Il a commencé à dire, vous sentez pas une odeur? J'ai dit quelle odeur? tu sais. Il dit, mais c'est bizarre, il y a une odeur bizarre. J'ai dit quelle odeur? Je sais que la voiture. Je dis, excusez-moi, roulez en fait, parce que. En plus, c'était en hiver, tu vois. Oh. Donc, le chauffage de la voiture. Oh. Et le caca qui est là, tout est chaud. Tu as souffert. Il a roulé, il savait que c'était moi j'avais fait, mais il ne peut pas parler ici son client. Mm-hmm. Dès qu'on est descendu, je ne me suis même pas pressé même pour courir. Même. C'était déjà gâté. Au pays de gâté, gâté au roi. Ah, non, c'est ça. Attends, vous n'avez jamais eu d'expérience comme ça. Fallait au moins appuyer ton sphincter. Parce que moi, j'ai fait la médecine. Tu vois, dans cette partie, on appelle ça le sphincter. Toi, ton sphincter n'est pas vraiment... Je comprends pas. Le sphincter, c'est ce qui maintient ton rectum de sorte à ce que tes déchets ne puissent pas passer rapidement. On appelle ça comment? Le sphincter. C'est en médecine là-bas, tu as appris ça. Ça, j'ai appris. Tu allais faire médecine, tu as échoué. Tout ce que tu as retenu là, ça a fait des rectums. C'est pas ça. Et puis c'est moi, j'ai fait des choses que j'ai appris. Mais ça m'étonne pas. Ça a fait des rectums. Ça m'étonne pas. Allez. Moi, je pense que ça m'a déjà arrivé, mais pas à chier sur mon rond. Moi, ça m'a fait mal. Et puis c'est tout. Faut déposer clé là, comme si tu avais un appartement, pourtant tu es hébergé. Donne clé de ma chambre. Elle prendrait le loyer. Toi et toi. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est ça que tu parles. Non, c'est pas sorti. C'est pas sorti. Moi aussi, c'est pas sorti. Il a vu, il était dans le taxi et puis il s'est descendu direct. Il a vu un sac même. T'es dans le taxi, t'as fait petit tu as vu WC public et tu as allé dans le WC public. Il s'est sorti direct, il a payé le taxi, il s'est parti directement de le WC public. Moi, je suis jamais appelé un WC public. Je peux mais pas. Ça veut sortir, tu veux faire quoi? WC public, ça va. Et puis t'es loin. Moi, non, ça va. Quand je rentre plus vent que le coin est mouillé, là, ça rentre. Ça va. Ça rentre. Oui. Comment? Ça s'en va. Il quitte le rectum, il s'en va dans le gros intestin pour se promener jusqu'à après les lésions. Ouais, vrai. Hey! Tu n'es pas la médecine. Non! Je connais la médecine. Non, tu m'as dit. Oui. Deuxième, tiens. Mmh. Chacun va tirer. Faut aller voir si on me voit bien, Benny. Je pense qu'on te voit bien, mamie. On voit bien ton visage. Attention, on voit bien celui-là. Il est clair dedans. J'ai enfoncé une louche dans... Il est un peu vite, hein. Un peu fort, pardon. Faut pas crier sur mon monteur. Non, un peu... Non, faut pas crier sur la personne qui fait mes montages. Merci, pardon. J'ai enfoncé une louche dans... Ils ont pas terminé. Dans une poule morte le 1er janvier. Une louche dans une... Ça c'est toi qui peux faire les choses comme ça. Louche, attends. Louche non. Dans poule morte. J'ai enfoncé attends. Une louche. Attends, quoi. Fait ça. Dans attends, une poule morte. J'ai enfoncé une louche dans. Non! J'ai enfoncé une louche dans. Ça, on peut pas dire. Sinon. Dans le derrière d'une poule morte. Oh. Le 1er janvier. Ben, voilà, c'est quoi? C'est pas moi. Comment tu peux prendre une louche pour mettre dans le cul de poule? Mais pas bon, c'est qui? C'est toi. Oui, c'est pas curieux. Toi aussi, il ne sérieux pas fait ça. Mais la poule était déjà morte. Désolé. Non, attends. Désolé. La poule était déjà morte. On ne dit pas non. Mais comment tu peux prendre louche pour aller mettre derrière? C'était louche là, derrière là. C'est pas la partie toute là, ovale là. Derrière là. Où la trappe là? C'était à quelle fin? C'est pas à voir quoi. Oui. Ça vous a dit le truc. Je sais pas que c'est un métier. Pour rester. Ça, c'est un grand métier. C'est compliqué. Non, c'est moi qui choisis. Arrêtez, c'est pas toi qui as choisi. C'est que moi, je dois prendre. Ok. Mm-hmm. Ouais, c'est que c'est bien pété aussi. J'ai menti sur mon jeûne. Moi, de Ramadan. C'est toi, c'est qui est musulman ici. On t'a attrapé. Tu étais petit. On peut se cacher des hommes, on ne peut pas se cacher de Dieu. C'est ça, hein. Comment il venait de cette parole-là? On peut se cacher des hommes, mais pas du Seigneur. Tu avais trop faim, quoi? C'était chaud. Tu avais quel âge? Non, c'était chaud. 19 ans. C'est ça, j'étais petit, là. 19 ans, tu es vieux? Vieux où? Tu n'as pas me dit que tu attends. 19 ans, tu sais que tu dois fermer la porte pour te laver. Tu
Tu n'es pas un enfant. Tu sais que tu fais deux boules d'article. Tu n'es pas un enfant. 19 ans là, tu sais que quand il y a les gens, tu peux pas te promener nu. Tu n'es pas un enfant. Tu sais aussi, à 19 ans là, que un portant. Je t'ai dit, faut pas trop parler sur mon monteur. Non, mais tu dis, je dis. Non. C'est comme ça en fait. Non. J'aime ça. Il a dit un, tu dis un comment. Faut expliquer. Bon, moi avec 19 ans, c'était le 5e jour. Donc, tu sais, ça se passait bien. À 16h, ici, qui était à l'école, le fin du jour. Il était faible. Donc, il a envie de profiter, il a acheté un samatique, bien même, il a mangé en route. Qu'est-ce qu'il est rentré, il m'a demandé si le jeûne s'est bien passé. Il a dit oui. Ah, vraiment, ça s'est bien passé. S'il y a quelque chose qui s'est bien passé, c'est ça. Ah, c'était poisson d'abeille. C'était chaud. C'était trop chaud. Il y avait un vertige tout ça. Non, mais c'est. On coupe jeune à 18h. Il était 16h. Tu pouvais attraper ton cœur. Un garçon de 19 ans, il doit être vaillant. C'est à nous autres là, notre nom est gâteau. Il doit être parce que nous, on est comme ça. Mais vous qui êtes viril là. Nous même, on est plus courageux que vous. Moi, je dois couper Karim à 18h. À 16h, je m'attrape. Et je rentre même en prière. C'est que tu devais vraiment. Prendre même le courant pour lire, ça allait te donner de la force. Souvent, même Kevin, elle ne mange pas de 7 jusqu'à peut-être à 18h. Pardon. Souvent, même, il ne mange pas toute la journée. Puis, à partir de 19h ou 20h, il me dit bon, sortons un peu, on va manger. Oui, moi, il peut faire toute une journée sans manger. Toute une journée, il fait sans manger. Non, c'est pas pareil. C'est ce qu'on dit, femme vaillante. C'est quoi? Elle s'est sortie comme ça, pardon. Pourquoi toujours me tuer, mais vous-même? Toi, tu dis quoi? J'espère pour toi que tu n'as rien. Aziz, attends, même je vais te dire quelque chose. Même montage que tu fais là, j'espère bien que le parti où je te dis coupe, j'espère que quand tu coupes, tu ne gardes pas pour me faire un chantage après. J'espère que le parti où je me trompe là, non. J'espère que tu coupes pas et puis tu ne gardes pas pour me faire du chantage après. Non, je suis coupé direct. En tout cas, il faut se couper direct. Je te préviens. J'ai une carrière. Non, t'inquiète. Ok. Dans tous les cas, même Maï. C'est secret. Donc, c'était le 5e jour. Donc, c'est l'accumulation de la faim. Donc, à la longue, il y a faim. Il y a faim comment? Mais est-ce que après ton 5e jour, 6e jour, est-ce que tu as pu gêner sans avoir eu. Il n'y a pas menti. C'était la même chose là. Gêne Aziz, pourtant. Mais Aziz, toi tu es mince comme ça, toi tu as voulu manger comme ça. Mais c'est pas de ma faute. Moi, mais il mange pas bien même. Tu as dit quoi, tu manges pas bien? C'est-à-dire que les gens ne respectent pas en fait. Tu respectes pas les 4 plats par jour. C'est-à-dire qu'il me réveille à 11h. Non, on respecte pas. Et puis en plus, tu dois faire ton montage. Tu as me stressé jusqu'à. Mais faut arrêter, on va faire comme si le montage a commencé quand tu avais 19 ans, non? Lala! Oui! Lala, tu as mis la balle dans le panier! Oui! Lala, tu as marqué 3 points! J'ai vu ça aujourd'hui! Lala, tu as gagné! Oui! Tu parles avec moi! Je dois faire ton otage! Tu fais mon otage là depuis que. Mami, choisis! Tu n'as pas fait carême! Moi-même, j'ai un ami là! Lui-même, le jour de carême, c'est-à-dire que c'était jeune! On a mangé pork ensemble! Et puis, il allait couper carême à la maison! C'est musulman! Oui! Je n'ai pas dit son nom, mais il va se reconnaître. On est toujours amis même. Je sais que je le connais. Oui, il me connaît. C'est à moi de choisir encore. Il est gentil, mais son affaire de Dieu, là, il aime se mentir dedans. Il sait pas pourquoi. Moi, je ne vais pas à l'église et je n'irai jamais à l'église. On peut se cacher de Dieu. J'ai déjà envoyé... Est-ce que ça, là, c'est nouveau? J'ai déjà envoyé des nudes. C'est qui? C'est qui comment? On est trois ici. C'est qui comment? Peut-être que c'est toi. Ça me passe mon. Tu as déjà envoyé des nudes. Franchement, moi non. Moi j'ai pas envie. Il a déjà envoyé. Non. Et peut-être que c'est pas lui qui écrit, mais on dirait qu'il a déjà envoyé. Faut pas en tout liker. Je suis mamie. Tu as déjà envoyé des nudes. Moi, il ne peut pas penser à un personnage public. Moi, c'est un personnage public. En affaire de matière de nudes. Personnage public. Ça prend comme ça brûle. Ça peut te lever à 23h minuit, tu envoies ça. Récemment, même là, il y a eu chantage sur Aya Nakamura. Les gens lui ont fait du chantage parce qu'ils ont ses nudes. Hey, c'est vrai. Ils ont ses nudes.
Après de nudes là, c'est vrai qu'on est star, mais souvent on s'oublie et puis on fait. Ah. Mais non, c'est moi j'ai écrit, c'est moi. C'est toi. Mais déjà il y a des années, c'est pas maintenant. Maintenant il fait plus ça. Mais quand j'en vois là, même moi ici, à partir d'ici, on voit plus. C'est ici seulement. Mmh. Oui. Mais on voit même pas mon nombril. C'est ici seulement. Ta conversation, la personne peut screener. Screener quoi? Les messages. Mais est-ce que le message là, c'est ma photo? C'est un message? J'ai écrit, tu as écrit. Il y a ton numéro. Aïe. Il y a ton... Tu sais pas que maintenant on fait montage. Mais toi, donc tu peux nier de ton popcorn. Au cas où. C'est la technologie. Il y en a qui renient. Il y en a qui nient leur propre famille. Si je nie mon corps, ça fait quoi? Il y en a qui nient leur propre mère et leur propre père. Si je nie mon corps, je renie mon corps, le temps d'un scandale, ça fait quoi? Hein? À toute façon, tout ta, la moitié de ton corps. On n'a même pas vu mon visage. Tant qu'on ne voit pas ma face, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais tu peux nier. Même quand on voit la face. Même quand on voit la face. Non, 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 non. Où on voit et puis tu dis c'est pas toi là. Lui, ah, ah, tu t'es taisé. Mais toi-même. Benny, tu t'as jamais envoyé de nude. Parce que vous êtes en train de m'accabler. Non. Toi-même a dit la faute des balles. Non, moi, pour moi là, c'est pas un bail envoyé en tout cas. C'est un quoi? Ah, c'est un bail envoyé. C'est un bail envoyé. Comment ça? Ton bibis? Attends. Ou bien, attends. Excuse-moi. Toi, ton bogala là. C'est ici. Ton bogala là, c'est ta poitrine. C'est ta poitrine. C'est pas pour un paillon. Tu as vu comment? Non, sexy. Ma poitrine. C'est ça qui est nude là. C'est ça qui est nude. Ah, c'est que prochainement il y a ouvert mes pieds. C'est que prochainement il y a ouvert mes pieds. C'est ça qui est nude. Non, tu vas me dire ça. Non, c'est pas nude. C'est pas nude, ça c'est corps. C'est le corps, tu as envoyé le corps. Et toi? Tu n'as pas envoyé le corps. Et toi? C'est que tu as envoyé à ce bas. Moi, j'ai envoyé en bas. En bas, je choisis. Comment ça? Toi, tu as envoyé en bas? Oui, en bas. Devant ou bien derrière? Palabre à cause de l'argent. Ça c'est non, moi il fait pas les choses comme ça. En fait, moi aussi j'aime pas les conflits familiaux. C'est ça, c'est ça, ça doit être toi. Parce que nous là, on met pas les gens en palabre. Surtout à cause de c'est toi. À quoi tu as l'argent? Moi je mets pas les gens en palabre. C'est vrai que moi j'aime l'argent, mais pas oui. Non. Non. Vous, il faut avoir ton argent de manière honnête. Il faut expliquer pourquoi tu as fait pourquoi, ça. Ah, tu fais pas beaucoup de bonnes choses. Il y a Karen, tu te caches pour manger. Tu mets tes amis en parler à cause de l'argent. Même nu, tu fais pas ça bien. Tu envoies moi. C'est quoi? Non. Faut parler. En fait, c'est derrière mes vidéos. Quoi? Oui. Donc, on avait fait un business. Oui. Tu vois, nous maintenant. On devait, chacun devait gérer son argent, tu vois. Mais donc moi, avec tout l'argent en poche, il devait donner la moitié, tu vois. Il devait gérer chacun. Mais donc moi, il a dit à l'autre que non, ah, l'argent que je dois te donner, c'est pas chez moi. C'est chez l'autre pote là. Il a dit pareil à l'autre aussi. Donc les deux sont accusés là-bas. Que nous, c'est comment faut mon argent et tout. C'est des discours. Chez moi, genre, ça allait pas aller loin, tu vois. C'est devenu problème. Ils sont posés. Ils sont battus jusqu'à ça là pour commissariat. Et tes amis aussi, ils ont fait. Hein? Pour combien? C'était pour combien? C'est 100 000. Oh, ça, non, mais on se bat pas pour 100 000. On se bat pour au moins. Je sais pas moi. Non, non, on se bat pour 100 000. Moi, je suis quoi? Oh. Arrête de te plaire. 100 000, c'est beaucoup quand même. C'est pas parce que tu perçois ce que tu perçois que tu penses que 100 000, c'est pas l'argent devant les gens. Là, moi, je t'interdis. Je t'ai interdit sur ce point. Tu es fâché de. Oui. Ah. Faut pas changer de sujet, tu fais pas bonne chose. Comment tu peux laisser tes deux amis se battre et puis tu sais que c'est pas qu'à l'argent? Non, mais il y avait besoin de ça aussi, tu vois. Tu devais faire quoi?
à ton jeune âge, là, tu devais être quoi? Tu as quel âge? Est-ce que tu as un enfant? Non, il devait gérer ma scolarité avec. Mais si c'est tes amis, il faut leur expliquer. Non, ceux-là, ils sont pas. Non, pardon, non, non. Non. Pas bien. Et puis, là, ils savent pas même. Hey, ceux qui vont m'encaisser. Faut pas couper la partie, les. Si tu coupes la partie, je te vis. Tu gardes cette partie. Ils vont voir ton vrai visage. Excusez-moi. Ah ouais, non. José et puis Cédric, excusez-moi. Oh, ouais, José. Pardon. José? Non, c'est un garçon. Il y a un garçon qui s'appelle José. Pas. Josué, pas José. Il s'appelle José. C'est José. Mon ami, mais c'est ton ami. Pardon. C'est pour ça que je me fais. Il t'a loupé. Il dit José, il dit Josué. Mais comment va? Lui-même son ami. Lui-même son ami qu'il a bouffé ses fesses. Hé, mami! Oh, non. Y'a pas de soucis. Oui, tu sais les papiers sur lesquels tu es. Depuis là, il choisit les papiers. Et puis ça tombe pas sur lui. C'est pas ça. Ah, mais c'est bon. C'est toi. Au revoir. Eh, Seigneur. C'est quoi ça? Qui fait ça là? Je couche avec mon ex. C'est toi. Qui est toi? Non. Moi là. Moi, c'est quelqu'un là qui a dit que toi et moi, c'est ex là. Il n'y a plus de problème, c'est fini, c'est terminé. Il y a une personne qui ne parle pas ici, t'as pas. Oui. Non, mais parce qu'on m'a éduqué. Quand les gens parlent, on ne coupe pas la parole. Je ne vais pas vous couper la parole. Allez. Moi, je sais que il est en temps, mais je sais qu'il a fait quelque chose. Tu parles pas, moi, ça fait tous ces jeux. Tu as remarqué, non? Oui. Moi, je pense que c'est toi. C'est toi? Ça peut être une autre personne ici. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Franchement. C'est fini, c'est fini. Je suis parti de ton côté, moi aussi, c'est terminé. Ah, on fait des. Mais c'est pas mon ex avec qui j'ai fait 4 années. C'est pas mon ex avec qui j'ai vécu. C'est qui ça? Elle a besoin d'être en couple. Hein? Quand tu faisais? Ah, elle a besoin d'être en couple. Mais c'est quoi ça? La personne était belle et bien en couple. C'est la personne qui. Et puis tu savais? Pas 4 années. Non. Pas la personne avec qui j'ai vécu. Après 4 ans là. Après 4 ans là. Aïe! Quelques mois là. Quelques mois. Non! C'est avant 4 ans là. Avant 4 ans. Quand j'étais encore avec Kao là. C'est que ça a duré. Quand je tousse, genre mon premier love là. Et quand on se voit, on s'est fait. Tu vois, non? Moi, je pensais que tu parlais de. Même après 4 ans aussi là, on fait. Oui. Ah, tu fais les deux, hein? Puis, j'ai fait. Et puis, la personne a son couple. Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que moi, je suis. Témoin de mariage? Non, mais faut pas. Je ne suis pas témoin de mariage. Non, mais c'est pas nous. Je ne suis pas. Non, moi, tu es d'accord avec moi. C'est pas nous. Pas nous. Il faut respecter. Ouais. Même. Pas tu sais que ces personnes-là sortent avec des gens. Mais tu les appelles quand même pour venir. Non, c'est pas. Justement, qui t'a dit que c'est moi, j'appelle? Souvent, je suis couché. Et puis, on dit, tu fais quoi? Je dis, je ne fais rien, je suis là. Non, il ne pense pas que. Non, ne m'aidez pas. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne suis pas témoin de mariage. Ne me fatiguez pas. Aïe. Ces personnes-là sont en couple. Elles font la chose dans leur couple là-bas. Moi je suis ici. Moi je ne garde pas couple de quelqu'un. Je n'ai jamais dit laisse la personne avec qui tu es non, pour tu revenir peux, avec moi. Tu peux refuser. Moi-même je ne veux pas me remettre avec mes ex. Kevin, mais si l'ex, moi-même je ne veux pas me remettre. Mais si l'ex c'est un bon coup. Si la personne sait faire, c'est un bon coup. Logiquement c'est toi qui dois faire. Comment si la personne sait faire? Non, c'est deux personnes qui font. C'est deux personnes qui font. Oui. Ah, ou bien. La personne doit faire. Tu aimes jouer au jeu dangereux. Yé, tu sais. Toi, tu as dit que toi, tu n'as jamais rien fait avec une de tes ex. Donc, pourquoi tu parles de moi? Une de tes ex. Ouais. Tu as dit quelque chose, hein? Quel jeu comment? Franchement, moi, je n'ai pas fait ça. Et je ne veux même pas faire ça. Parce que mon Benz là, toi, vous me regardez, on est ex. Est-ce que tu ne vois pas te parler? Tu ne vois pas te parler? Toi, et moi, c'est fini. Est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu me vois t'écrire? Tu es fâché. C'est terminé. Tu es fâché. Donc, oui, je suis très en colère pour cette personne. Mais ça ne va pas arriver le jour où moi, je vais te dire que. Maman, il faut dire la vérité aux gens. Toi-même là. Toi-même là. Tes ex ne veulent plus. Même te toucher comme ça, tes ex ne veulent plus. Faut dire la vérité aux gens. C'est moi qui. Il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Faut arrêter de mentir. Tu brouilles. C'est moi. Je fais encore avec mes ex. Parce que mes ex me désirent encore. Toi quoi? Mais on peut le désirer aussi. Faut laisser quelqu'un. Moi, on me désire. C'est juste que je. C'est fini.
En plus, c'est une belle homme. C'est fini, ça n'a pas marché, c'est terminé. Et en plus, je suis un bel homme. Merci beaucoup. Je suis un bel homme. En tout cas, j'ai fait, je fais, je ferai. Pour donner à l'autre, tu vas choisir. Jamini dit que toi-même tes ex t'appelles. Tes ex t'oublient comme l'ami d'une amie. Bol de café là. C'est avant de choisir. Ah, je pense que. J'ai déjà fait des bails avec une personne de mon quartier. Ça peut être qui, oh? Une personne. Ah, qui n'a jamais fait ça? De son quartier. Ça, tout le monde a déjà fait. Ça dépend. Par exemple, quand la personne parle comme ça, ça veut dire que la personne ne vit pas ici. Donc, j'ai déjà fait des choses avec une personne de mon quartier. C'est pas moi, c'est toi. Il y a parce que. Moi, c'est pas toi, papa. Benny, c'est toi. Non, c'est. C'est toi. Bien sûr. Ah, Nyama, là-bas, toi, tu n'as jamais rien fait avec une personne de ton quartier. Bon. Mais, pas. Écoute ça, là, c'est pas pour moi. Écoutez ça, c'est pour qui? C'est pas pour moi. En tout cas, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi. Ah. Donc, il reste qui? Il reste pas pour moi. Tu vas dire. C'est qui? C'est toi. T'es faut assumer où? Ah, une personne. Oui! Quartier où d'abord même? Ici. Ici. Ici, là. Ici, ici. Donc, la personne va voir ça là. Hein? La personne va voir ça là. Si la personne regarde mes vidéos, la personne va voir. Ah. Moi, je n'ai pas appelé la personne. Oh. C'est la personne qui est venue. Je suis sorti. Je revenais de mon gasoil. J'avais encore une voiture même. J'ai garé ma coachie. Oh. Je l'ai verrouillée. Je vois une personne qui a arrêté. Je dis bonsoir. Bonsoir, oui, tu me plais bien. Tout. Je dis hi. Toi, tu fais partie des gens qui me torpillent. Je te plais bien comment? Que non, mais bon, je suis obligé de te critiquer comme les autres. Je dis donc, tu veux quoi? Que ah, vraiment? Je sais pas, mais ce soir j'ai pas sommeil. Hey, mais tu n'as pas sommeil. Moi je suis pas un marchand de sommeil. Tu n'as pas sommeil, tu veux quoi? Oh. Que mais, tu sais, la personne commence à me toucher. Tu sais, tu me plais. Attends, j'étais un peu saoul. J'étais en état d'ébriété. Oh. Entre même, c'est quelqu'un, même quand il voyait la personne là, il dit ça là même, on dirait que. Okay. On peut faire comme pâte à modeler. Jouer, jeter. Donc on a joué, mais aujourd'hui j'ai jeté. Donc tu n'es pas plus? Non. Pourquoi? La personne veut rêver. Non, on a fait, c'est fini. C'est quoi? Non. C'est ça qui est important. Moi même à la base, même là, j'aime pas trop brouter où je suis. Dans ton secteur? Non, j'aime pas brouter dans mon secteur. Moi j'aime aller ailleurs. J'aime découvrir de nouveaux horizons. J'aime explorer, mamie. Oui. Je vois. C'est Adora qui pense qu'elle aime se promener. Mais, donc j'ai fait. J'ai fait, mais toi. Le jour que quelqu'un me critique dans ce quartier, puis toi tu viens t'arrêter. Même une son pour toi va sortir. Faut pas me tester. Mais ça, c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Ah, mais il peut dire certaines choses. La personne peut dire. La personne peut dire certaines choses. Certaines choses comment? Ah, imagine la personne s'en va dire ceci, cela, sur toi là-bas. Non! Comment tu sais ceci, cela? C'est parce que ceci, cela, là. Souvent, le quartier aussi, là, tu entends des choses, on sait jamais. Il y a une chose qui dit que... la personne est bête pour aller. La personne n'est pas un enfant. Et puis, si la personne se va dire ceci, cela, ceci, cela, là, on a fait ça, nous deux. Ouais. Est-ce que ceci, cela, là, quand on faisait, tu étais dans le coma? Non. Est-ce que tu avais fait ABC? Non. Tu vois? Le quartier va sortir des... Wow. Le quartier est dehors. Donc, faut savoir ce que tu veux expliquer. C'est ça. Moi, là, si c'est gâté, je prends mon vol, je suis à Paris. Le quartier va sortir des. Wow. Parce que la dernière fois même, je passais, j'entendais des bruits, des trucs. Et tu étais là-bas. Toi, faut pas trop me provoquer. Tu le vois là où? Ah. Tu étais où? C'est la live qui est là. Il parle pas, hein, mais quand il débouffe. Il laisse pas pour lui. La lagune, c'est debout. Non! C'est on a qu'à faire prochain de trop stupide. C'est mieux. Mais toi, pourquoi tu fais genre, toi, tu es choqué? Toi, tu n'es jamais sorti rien de ton quartier. Si. Non, mais pourquoi tu fais genre, c'est moi là qui est trop. Non, mais moi, genre, c'est resté. On n'a rien fait. Ah. Donc, c'est qu'un sorti, vous avez fait. Vous êtes allé manger alcool. On vient d'expliquer sorti là. Oli! Oli, c'est qui vient? J'ai vomi devant la porte du voisin. Moi, je n'ai pas un
appartement, c'est ta voisine. Il habite où même? Belle Agnoma. Je n'ai pas une habitude. Il habite Agnoma village. Oh, la papa voisine. Ah, mais... Il habite pas à mon village. J'habite à la mer. C'est des cases. Arrête. C'est des cases. J'habite au quartier. Quand ta case est ici, la prochaine case est là-bas. Toi. J'habite au quartier Schneider. Et puis c'est où il y a un voisin? Schneider. Schneider. C'est où la mairie se trouve. Voilà. Donc toi, tu n'as pas me dit que voisin. Parce que où je suis là, on n'a pas de voisin. Tu comprends? Oui, oui. Donc la personne qui peut parler de voisinage ici, c'est la personne qui a un appartement. C'est moi. Ouais. Mais comment vous faites depuis à vous tirer pour moi seulement? Mais c'est parce que c'est toi. Oh. Est-ce que vous avez écrit beaucoup de points? On a écrit beaucoup. On a écrit, hein. Ah. C'est moi. En fait, j'habitais encore à Corbeil-Essonne. Ah, c'est qu'il y a longtemps. Et ma voisine de Corbeil, là. Elle, tu vois les tontis? Les tontis qui aiment se mêler de la vie des autres. Encore tu vois, mais si, il y en a. Elle a la pousse à parler, fait ça en France là-bas. Je suis désolée. France, c'est liberté, égalité, fraternité. En France, toutes les discriminations sont condamnables. Et puis c'est un délit. Oui, c'est un délit, c'est pas une opinion. Hein. C'est ça. Hein. C'est un délit, c'est pas une opinion. C'est tout. Ça, je préfère vous le dire. Hein. Et j'étais allé boire au California. Ceux qui connaissent le California, mes abonnés, mes choiries de Paris, vous voyez le California à Châtelet. Oh, oui, j'ai bu la bière, la carafe Delirium Red là. J'en ai bu, j'étais avec des potes. J'en ai vraiment consommé un gurgite, on va dire. Et du coup, je suis dans le taxi, enfin dans le Uber, donc j'arrive et je sens vraiment, depuis que j'étais dans le Uber, même il sentait que je voulais vomir. Toi, tu veux pas chier, c'est ma... vomir. Tu es pas chier dans le Uber, c'est que tu veux vomir. Continue l'histoire. C'est dû à quoi même? Qui c'est dû à quoi comment? En fait, frère. Donc, voici ma pote. Quand tu tournes comme ça, c'est sa pote. Je savais que si je vomissais devant ma pote, j'allais devoir nettoyer. Donc quand ça a voulu sortir, le temps j'allais rentrer chez moi, j'allais vomir au salon. Il tournait comme ça devant sa porte, j'ai fait que tout est sorti. Je suis rentré comme si de rien n'était. Le lendemain, j'ai vu qu'elle parlait au syndic de l'immeuble. Elle se plaignait, je ne sais pas qui a fait ça. Je suis sorti. Il a dit, ni vu, ni connu. Mais est-ce que tu sais qu'en France, là, vu qu'ils aiment beaucoup faire les comment on appelle ça? Les enquêtes. Les enquêtes. Ils pouvaient prendre ta salive là. Allez te foutre de mon truc, hein? C'est vrai. Il n'y a pas d'autre problème en français. Non, mais. Genre, le policier de France, là. Ils s'ennuient tellement. Si on vous a demandé, là. La police en France, c'est comme magasin de vêtements qui ne marche pas. Ils n'ont rien à faire jusqu'à. Police en France, là, c'est comme magasin de vêtements qui ne marche pas. Tellement ils n'ont rien à faire, ils vont prendre mon vomissement. Ne m'énerve pas. Ils vont prendre mon vomissement pour aller voir. Qui a fait ça? Tu es méchante. Non, mais après c'est juste un aspect que je donne, tu vois. C'est juste un aspect de la chose. Quand tu dis quoi dessus? Toi, tu dis quoi dessus? Elle a posé plainte. Non. Elle se plaint. Vomissement, elle a porté plainte. Ah, vomissement, elle va nettoyer. C'est son droit de Jaïli qu'elle a choisi. Elle va nettoyer le vomissement. Mais toi, tu la connais ça? Je vomis tous les soirs. Moi, je n'aime pas les gens qui se mêlent de la vie des autres. Je n'aime pas ces personnes. Mais c'est normal. Elle sait dans ta vie, là, il y a bonne chose. Tu fais pas bonne chose. Donc tu as peur qu'on se mêle de ça. Ah. Je voulais pas faire de défense, mais c'est fini. Ah, en tout cas, madame, si vous me regardez, je suis désolée. T'habites plus là-bas. Depuis. C'est fini. C'est qui ça? Je me suis cachée pour regarder une vieille personne se laver. Béni, c'est toi. C'est toi qui es sordide comme ça. Je peux faire tout sur ça. Non, je peux pas faire ça. Non. Ça là, je peux pas. Une vieille. Non, faut pas faire ça. Ça, c'est malédiction. Qui a fait ça? C'est toi. Faut lui faire. Je respecte les vieilles personnes. Attends, je me suis caché pour regarder une vieille personne se laver. Mais tu voulais voir quoi? C'est toi. Non, Béni, c'est toi. Ça a vraiment pas fait les choses comme ça. Hein. Non, c'est pas. Là, je vous explique, c'était au village. Vous voyez les. Comment on appelle ça? Les douches qu'on prend, bois ou bien quoi pour faire là. C'est pas. Non, en vrai, c'était pas intentionnel. Hein? Je passais juste derrière pour aller verser la poubelle. Mmh. Et puis j'ai vu que c'était un peu cassé. Puis il y avait torche là-bas. Donc il partait voir qui est pour laisser laver. Donc quand je suis partie là, j'ai vu que c'était une vieille. Et mes yeux ne se sont plus quittés là-dessus.
pendant au moins 2 minutes comme ça et après je suis rentrée. C'était quoi, une vieille femme? Mmh, c'était une vieille. Mais pourquoi tu mets 2 minutes à regarder une vieille femme qui se lave? C'est pas bon encore. C'est comme ça. En plus, même, je pense qu'il y avait 11 ans, c'était pendant la crise post-électorale. On va mettre ça sur le dos de la guerre. Peut-être que la guerre t'avait traumatisé parce que... Et puis ça m'étonne même, une vieille femme. Non. Tu avais un problème. Je sais pas. Non, ça là vraiment c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Non. On a déjà fait ça. Si je dois me cacher pour regarder quelqu'un qui se lave, c'est vieille femme. Non. C'est une femme âgée, maman des gens. Et elle me cachait pour la regarder, pourquoi? Si elle me cache pour te regarder là. Oh. C'est quand même, je veux te rejoindre. C'est que je veux aller me laver. On va se doucher. Ah, on va prendre le bain. Vraiment, ne fais pas ça. Toi, n'as pas fait ça. Non. Je t'ai jamais caché pour aller se laver. Pas une vieille femme. Non, mais tu t'as déjà caché pour aller quelqu'un se laver. Oui. Oh. Non. Quelqu'un, non? Quelqu'un. Ah. Je vois une jeune fille. Une jeune fille. Non, pour toi là tu peux le dire. Pour toi là tu peux le dire. Et puis tu as resté combien de temps là-bas? 2 minutes. Et puis c'est parce que ma grand-mère l'autre m'a appelé. Dodo, bon fort, c'est déjà arrivé. Tu comptais rester? Tu es mauvais. Ta grand-mère t'a appelé comment? Dodo. Faut répéter après comment? Dodo, bon fort, c'est dit Dodo, tu es où? Dodo regardait ta camarade. Dodo regardait ta camarade au mémé. Oh. La personne qui a écrit ça, elle est bête. Vraiment, vous êtes bête. Parce que ça veut rien dire. J'ai fait par erreur. Attends, écoutez. J'ai fait par erreur un jour ce que la Bible défend. Genre, ce que la Bible défend de faire quoi? Ce que la Bible interdit. On va dire. Tu as fait ça par erreur. Par erreur. Qui a fait ça par erreur? C'est toi. Yep. Non, c'est. Non, mais arrête, c'est pas que moi. Ben, tu vas faire ça. Aïe, toi, mais tu as fait des choses pareilles. Non, attends, nous tous ici là, on fait des choses que la Bible dit qu'il ne faut pas faire. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça veut rien dire en fait. Ouais, c'est ça. Ce que tu as fait là, fallait dire. Mais qu'est-ce que tu regardes qui? Oui, mais c'est toi. Non, c'est pas moi. Moi, en tout cas, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est même pas mon écriture. Et puis, il y a la Bible dedans. C'est toi. Mais c'est bête, fallait écrire ce que tu as fait là. J'ai pas peur, un truc que la Bible défend. Non, ce que j'ai fait, c'est pas moi. Donc, mieux, ce que la Bible défend de faire. Ouais, vraiment, j'ai fait ça. Mais la Bible défend beaucoup de choses. Oui, vu que la Bible défend beaucoup de choses pour aider un dedans. Ah, moi, je vois ce qu'on sait là. Et puis, on fait comme si on sait pas là. Aïe. Mais même hier, tu as fait. Non, arrête. Il va faire. Non, moi, je ne comprends pas depuis l'heure. Toi, tu ne comprends pas. Par exemple, le courant, tu ne devais pas manger le porc. C'est ça, non? Oui. Maintenant, toi, vu que le courant interdit, défend cela, toi, tu manges. Ah, ça fait partie des interdictions que le courant énumère. Voilà, je vais dire ça comme ça. Tu vois, je vois. Eh, t'as compris, c'est que. Tu as compris, moi? Même les gens qui nous regardent là, on n'a qu'à choisir un dedans. Moi, j'ai choisi. Je peux dire que j'ai choisi. Non, on ne dit pas. Non, il y a des mains. Je ne peux pas dire ce qu'elle choisit là. Choisis ça dans ta tête. Et toi, aussi, tu as choisi. Moi, je choisis. Je me dis. Non, laisse. Aïe. C'est grave. Je vais dire. Prochain. Ça existe ça où? J'ai volé l'argent de ma grand-mère. Ça, c'est toi. Parce que depuis là, quand on dit argent, tu as laissé tes deux amis se tuer à cause de l'argent que tu devais leur donner pour t'avoir. C'est toi. Ils sont en vie. Ah, ils sont en vie. C'est toi. Hein. Faut expliquer. Bah, c'est comment tu es. Non, au fait, viens là. Son argent sort pas. Tiens. Quand tu lui demandes quelque chose, elle donne pas. Ben, Tchébé. Elle est trop Tchébé. Mais le vol est proscrit par la loi. Même. La ligne d'agrandement. Hein? Du moment, c'est pas ton argent. La Bible même interdit le vol. Ça fait partie des 4 commandements de la Bible. Et puis, les pronoms possessifs, mon ton son. Son, ma tassa, le voleur. Notre, votre, leur. Son argent. Ton argent. Ça, c'est un truc qu'elle possède. Son, pronom possessif. Mais si elle donne pas.
C'est pour toi, faut chercher ta part. C'est pour ça même à la fin de tout ça, on est nos voleurs. Il faut pas faire ça. Oui. Faut pas abuser. Si. Montons son matassa. Notre ventre voleur, mais t'es nos voleurs, tu dois pas voler. Mais non, on est allé à l'école. Hey, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas petit péché. Parce que où tu es assis là, tu penses que nos péchés dépassent pour toi. Parce que tu connais notre... Si. Ça se lit dans ton regard. Depuis on a commencé là, même quand je parlais que j'ai fait quelque chose avec quelqu'un de mon quartier, tu me regardais comme ça. Hey, c'est que tu fais là, pourquoi tu fais ça dans ton quartier? Pourquoi tu fais ce que tu fais là dans ton quartier? Tu me regardais. Non mais si c'est ton parent, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. L'argent de ton parent. Oui. Ça reste en famille, non? Non, hein, on t'a pas donné. Alors c'est comme ça, t'as dit. Mais si tu as donné ça, tout doit se mériter. Moi quand je veux l'argent comme ça, je lui démonte. Mais elle sait, lui-même il sait. Quand je veux l'argent, quand je lui démonte, je veux l'argent. Souvent même, je n'ouvre pas la bouche. Il me donne. Parce qu'il sait que je suis vrai avec lui. Ça dépend de ton comportement avec ta grand-mère. Voilà pourquoi je ne veux pas te donner. Surtout, tu penses qu'une vieille qui, tu es, comment je vais dire ça? Tu es à ses tous et tout, là, si tu lui demandes vice, elle va te donner. Les vieilles, là, elles ont la main sur le cœur. Tu n'as pas me dit que quand elle t'appelle, là, tu t'en vas, tu ne vas pas. Attends. Tu ne sais pas. Attends. Tu sais que. Non, il faut. Attends. Où laisse, arrivé, laisse, non. Te dépose. Tu dis que les vieilles ont la main sur le cœur. Tu sais que. Il y a tu sais qu'elle se la tu t'es caché. Après, tu te caches pour les regarder sur la vie. Tu sais que les vieilles femmes ont la main sur le cœur. Et puis, tu te caches pour les regarder sur la vie quand tu avais 11 ans. Non, je voulais parler. Ça vous finit ici. Salut, bon, t'as dépensé. Il a raison. Il a raison. Non, c'est un voleur. Bon, ça, c'est le dernier. Le dernier. Je me suis aimé en pensant au visage de mon professeur. Professeur femme ou professeur garçon? C'est pas moi. Professeur femme ou professeur garçon? Professeur femme ou professeur garçon? Non, ça. Non. Professeur femme non. Ou professeur garçon? Je pense que la vidéo va s'arrêter. Non. Tu vas être à toi. Professeur femme ou professeur garçon? C'est vrai que même femme on dit professeur. Oui. Mais nous-mêmes on te pose la question. Vous nous répondez. Ça vous dit que la vidéo. Nous-mêmes on te pose la question. Non, la vidéo ça va faire profiter. Ça va faire direct. Mais ça va vous en. Non, faut pas couper la vidéo, n'est pas finie. Pourquoi? Je dois couper. Viens t'asseoir ici. Mais laissez-moi, est-ce qu'on précise? Bien sûr. On dit c'est quoi la vue, c'est quoi la fait. Mais ton professeur. Professeur de quoi d'abord même? De quelle matière? Toute musique. Professeur de musique. Oui. Encore en musique là. Ouais. On joue la flûte. En musique, on joue la flûte. C'est ma vie. Non, il y a beaucoup de professeurs. On n'a pas coupé. Non. Attends, beaucoup de professeurs. Là. Merci de nous avoir suivis. Ça, c'est fini la vidéo pour Facebook. Si elle, ça là, vous dit que vous ne savez pas ce que vous êtes méchant.